On va parler des brossettes interdentaires. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? C'est l'outil qui vous permet de nettoyer la zone entre deux dents. Cette zone, elle représente un tiers du nettoyage dentaire. Les brossettes passent là où la brosse à dents ne passe pas. Mais du coup, comment les choisir? Tout d'abord, une brossette est constituée d'une tige ainsi que de poils. Pour qu'elle soit adaptée parfaitement, il faut une tige qui passe dans l'espace interdentaire tout en ayant une largeur de poils efficace sur les parois. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Pour choisir seul, c'est compliqué. En pharmacie, il y a peu de choix et au sein du marché, il n'y a pas de calibrage commun entre les différentes marques. Prenons deux brossettes de marques différentes et de tailles supposément identiques. On voit clairement ici que les tiges ont deux gabarits différents et que ça ne passera pas dans les mêmes espaces interdentaires. Pour choisir vos brossettes, demandez conseil à votre dentiste qui va utiliser une jauge, outil adéquat pour établir la ou les tailles qui vous correspondent. Alors comment utiliser une brossette? Tout d'abord, il est important de voir ce que vous faites. Donc mettez-vous face à un miroir. Une main vous permet d'écarter la joue afin de bien voir la zone à nettoyer, pendant que l'autre main tient la brossette et l'oriente face à l'espace interdentaire. Afin de faciliter le passage de la brossette, insérez-la en diagonale dans l'espace interdentaire, puis redressez-la à l'horizontale. Cela permet d'être sûr de se positionner au niveau de la gencive, car l'espace y est plus grand. Votre ressenti doit être celui d'une brossette qui frotte, sans forcer ni flotter. Si vous forcez ou que vous n'êtes pas dans l'axe, il y a de très grandes chances que votre brossette se plie. Faites un seul aller-retour et rincez les poils de la brossette à l'eau claire entre chaque passage. Si vous êtes en possession de plusieurs tailles de brossettes, commencez toujours par passer la brossette au plus gros diamètre. Dernière question, combien de temps dure une brossette interdentaire? Cela dépend de la qualité des poils, de la bonne utilisation, du nombre d'espaces dans lequel la brossette est passée. Globalement, si tous les paramètres sont réunis, une brossette peut durer un peu plus d'une semaine.